fille louche ou non hein. Pour l'instant, non. Moi, j'en ai parlé qu'à Ilana et je crois pas qu'elle est relayée là. Non, non, j'en ai pas parlé. Je la surveille du coin de l'œil. Donc, moi, je suis pas au courant encore. Mais effectivement, elle va faire en sorte. Elle va presque laisser. Enfin, pousser Athalys à se mettre dos à la porte et elle, elle va se mettre de trois quarts de manière à pouvoir se mettre. Enfin, voir la porte. Toujours voir la porte, mais pouvoir protéger les arrières d'Athalys s'il y a besoin. Oh. Merci. Et Athalys qui ne se rend compte de rien, qui fait un grand sourire en attaquant sa viande et en goûtant la bière. Eh bien, nous avons... Si tu commences à boire trop vite, je vais quand même te dire de te calmer. Mais que si tu vas trop vite. Non, non, je vais manger tranquillement. Je vais manger tranquillement. Elle a goûté qu'au vin de moine, hein, donc elle découvre le reste. Et elle va dire, nous avons eu une matinée plutôt productive. Nous avons quasiment fait tout ce que nous avions à faire en ville. Je crois que vous vouliez rencontrer, discuter un peu plus avec la capitaine de la garde, c'est ça ? Elle se tourne. J'ai pu faire ce que j'avais prévu. D'accord. Ah oui, alors du coup, je vais sortir le brassard et je vais dire, vous les avez examinés déjà ? Vous avez repéré quelque chose de particulier ? Tous les voleurs avaient le même ? Tous les voleurs qui nous ont attaqués, oui. Alors du coup, je vais montrer à Ilana, et est-ce qu'on peut faire un jet de, je sais pas, intelligence, mémoire, pour essayer de se rappeler si les voleurs que nous, on a combattus, avaient la même chose ? Alors un jet de... Perspicacité ? Je sais pas. Ou intelligence ? Investigation. Investigation. Bon. Ah ? Ouais, j'ai raison. Ouais. Ça m'a porté chance. Oui. Ça te dit quelque chose, effectivement, quand... Lors d'un certain moment, quand tu as posé sur eux, à un moment donné, dans ce combat, ça t'a frappé, oui. Ce brassard bleu, effectivement, ça a l'air d'être les mêmes. Non, j'en fais part à mes compagnons. Je dis que les voleurs qui nous ont attaqués avaient le même brassard. Or, d'après la capitaine de la garde, ils ne travaillent pas en groupe, c'est ça ? Eux, ils n'ont pas compris. Moi, elle m'a dit que c'était plutôt des gens désordonnés. Ouais, je trouve qu'avoir un signe distinctif pour se retrouver les uns les autres, c'est pas très désordonné comme technique. Je pense qu'ils ont simplement un territoire, hein, et puis ils font un petit peu ce qu'ils veulent chacun sur le territoire. C'est peut-être dans ce sens-là qu'elle disait qu'ils étaient désordonnés. Je pense, hein, après... Je ne connais rien aux mœurs et coutumes de ce genre de personnes. Non, c'est juste des suppositions. Et donc, du coup, vous avez fini de manger, j'imagine que... Maintenant... Ouais. Du coup, ça vous a coûté combien, ce petit repas ? Bonne question. Oh, c'est un prix de groupe quand même. 4 PO pour tout le monde. Bon, 5 PO, comme ça payer. C'est 1 PO chacun. Non, non, Alnar va payer les 4. Ah, ok. Merci, Alnar. Ah, super, merci. Ne vous y habituez pas trop. Tu me fais l'effet de quelqu'un de très généreux. Tu me feras un petit clin d'œil. Elle te fait un grand sourire. Complètement. Que voulez-vous faire cet après-midi, sincère. Mes amis. Est-ce que on rentrerait pas ? Moi, je pense que j'ai envie de discuter avec vous de ce pourquoi les gens nous ont fait venir ici. Mais j'ai cru comprendre que il fallait être discret. Est-ce qu'on retournerait pas au corbeau pour en parler ? C'est ce que j'allais vous proposer. Vu que la place nette a été... D'autant que nous avons été chanceux ce matin, mais je crains que notre voyage retour soit plus mouvementé. C'est-à-dire... Je suis d'accord avec vous. Voyons. En espérant que les compagnons d'Erin sont encore présents à l'entrée de la ville. Au pire, ils sont repartis dans la nature. Au moins, ils n'auront pas fait de crabuge en ville.
mais j'espère qu'ils seront là. Pour vous, on devait juste venir à Vercol, faire du tourisme, venir chercher, faire les entremetteurs entre quelqu'un qui cherche une roue, quelqu'un qui vend une roue, vendre des brassards des cimetières et revenir après. Le but du jeu était que nous apprenions à nous connaître. Et Aliana a mis un arbre sur notre route. Merci à Thaïs. J'ai oublié l'arbre. Je pense que... On peut l'oublier. Je pense que nous avons tous appris sur chacun de nous ce matin. Et que nous apprendrons encore plus en discutant sérieusement ce soir. Par contre, moi, il y a un truc qui me surprend, c'est... Comment Ilana s'est positionnée pendant leur pas, on dirait qu'elle surveillait quelque chose. Est-ce que je me trompe? Effectivement, vous avez vu juste. Mais ne vous inquiétez pas, il se peut que ça soit qu'une vieille habitude. Mmh. Alors Azalis, toujours les pieds dedans, à deux pieds, qui fait « La jeune fille de tout à l'heure ?» Je la regarde et je fais quelle jeune fille. Alors elle jette un regard pour savoir si elle a le droit de répondre. Ilana va répondre dans sa place. Okay. Athalys a effectivement remarqué une jeune fille qui nous suivait, que je observe depuis et qui nous suit toujours, mais qui reste à distance. Ne vous inquiétez pas. Comptais la surprendre. Tu vois que je me frotte le front, que je plisse les yeux. Bon, je vais, si vous permettez, je vais essayer de sortir discrètement par derrière, et puis je vais aller essayer de voir cette jeune fille en question d'un peu plus près. Tu penses la connaître ? Non, pas forcément la connaître, mais voir cela un signe distinctif, un peu comme celui qu'il y a sur le brassard, ou... quelque chose qui pourrait indiquer ses intentions. Bonne idée. Si elle surveille le groupe, c'est qu'il y a une raison. Si elle nous voulait du mal, peut-être qu'elle se serait déjà manifestée, non? Ou sommes-nous trop impressionnants? Ou alors elle attend qu'on soit en race campagne pour prévenir un groupe d'amis et nous attaquer sur leur tour. Je pensais l'intercepter au croisement d'une rue avant de sortir, mais... Si vous le souhaitez. Et ne pensez-vous pas que nous devrions nous séparer pour identifier qui est celui de du groupe? Ainsi, si elle suit l'un des groupes, le deuxième peut la suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne pourra pas nous suivre tous en même temps. Mais vaut peut-être mieux une approche. Je serai plus discret en restant seul. Et ce sera plus simple de l'approcher en restant seul. Du coup, tu veux qu'on reste ici, dans l'auberge, pendant que tu fais cette manœuvre, ou est-ce qu'il faut qu'on sorte pour qu'elle nous suive? Non, restez là. Moi, je vais faire comme si j'allais pisser un coup, et je vais contourner le pâté de maison, et je vais l'approcher de suffisamment proche pour pouvoir l'observer. Ok, n'hésite pas à nous prévenir si tu as besoin de nous. Combien de temps on attend avant de ressortir ou de prendre de tes nouvelles? On viendra nous chercher à Thaïs. Continue à boire ta bière. Ok. Vous deux, si elle est dans le secteur, vous devriez vite être au courant s'il y a du grabuge. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, là, je me lève. Je regarde s'il y a une porte pour des WC pour aller à l'extérieur, derrière le bâtiment. Oui, pas de souci. Donc je prends la porte, contourne le bâtiment, je remonte un peu d'autres bâtiments, je reviens dans la rue je m'arrête avant de rentrer dans la rue et j'essaie de repérer la fille en question. Du coup, fais-moi un petit jet de perception. Après, il faudrait que j'essaie de prendre
Évidemment, c'est reparti pour un fumble. Ah bon ? Non. Ah non, je l'avais pas vu encore. Non, bah non, 17. Tout va bien. Après oui, un 4 et un 1. Du coup, oui, tu la vois facilement parce qu'elle est adossée contre un mur. Elle regarde fixement l'auberge où vous êtes rentré. D'accord. Tu la vois, elle est encapuchonnée. Elle semble être habillée moitié en jeune guerrière, moitié en... Ça, c'est difficile à décrire. Enfin, tu reconnais bien quand même dans sa... Non, il y a sans doute une robe, je sais pas, de coincée entre ces... d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc, en gros, je vois qu'elle essaie d'être discrète, mais je repère rien de particulier sur elle. Rien de particulier. Alors... Ça fait un 17, si tu vois quand même une sorte de collier assez qui doit être assez cher. D'accord. Elle est dans la rue principale ? Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, moi dans l'idée, c'était j'étais remonté. Enfin, j'avais contourné le pâté de maison, en fait, pour revenir dans la rue principale, mais de façon à ce qu'elle ne me voit pas, d'accord ? Et du coup, quand je l'ai repéré, je rentre dans la rue principale et je redescends de son côté à elle pour essayer de l'approcher sans me faire voir. Pour essayer de la surprendre. Arrive, parce qu'elle est vraiment focalisée sur la porte. Ça fait un moment qu'elle attend, donc elle a tendance un petit peu à scotcher assez vite. Ok. Du coup, j'approche le plus près d'elle et je lui fais « On peut vous aider ?» Du coup, tu la vois... Je sors une dague et je lui plante dans le... Je lui colle la pointe dans le bas du dos. Quand je disais ça. Ça me rappelle quelque chose. Effectivement, tu l'as fait sursauter et quand elle sent la lame, non, vous inquiétez pas, non, vous inquiétez pas. Et du coup, elle essaye de te regarder, elle te reconnaît. Excusez-moi, je voulais pas être impoli avec vous. Excusez-moi. Hein, parce que apparemment, ça fait un moment donné que vous observez notre groupe. Donc, on peut savoir un pourquoi et deux si vous avez des questions, eh ben les poser directement à mes compagnons. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal que on aille discuter directement avec eux, non ? Oui. Et j'appuie un peu de la dague dans le bas du dos pour la pousser en avant. Et lui faire traverser la rue pour l'emmener dans la cantine. Donc tu vois que effectivement elle suit la trajectoire que tu lui fais prendre et elle a une démarche un petit peu élancée quand elle y va et elle y va assez vite. Elle est obéissante pour le coup. Du coup, vous voyez du coup une jeune femme arriver dans l'auberge avec vous. Vous voyez la naine qui lui dit « Oh, elle, ces gens vous agressent !» Et du coup, la jeune femme lui dit « Non, c'est de ma faute. Je vais leur expliquer, ne vous inquiétez pas. Je vais tout leur expliquer. » Et du coup, Ilana, en entendant, et puis elle avait repéré, enfin, elle surveillait toujours la porte, elle va se lever, elle va regarder Hante. Alors, mon cher ami, que se passe-t-il ? Oh, pas grand-chose, mais j'ai juste profité de l'occasion qu'elle était tellement concentrée à vous regarder pour la surprendre et puis l'amener pour qu'on discute, vu qu'apparemment... très intéressé par notre groupe.
Et ben qu'elle s'assoit et Ilana va se lever, lui indiquer sa chaise, en choper une autre à une autre table et s'installer juste à côté d'elle. Et Atalys va essayer de faire un sourire réconfortant à la jeune femme en disant bonjour. Entre Atalys et la femme. C'est ça. Atalys, elle se penche un peu comme ça, mais c'est pour pouvoir la voir. Quant à Alnar, il va tenter de la séduire avec sa beauté naturelle. Et... bien le bonjour, jeune demoiselle. Alors, elle va te regarder et tu vas voir qu'effectivement, elle est plutôt pas mal. Oh, concours de beauté. Je m'appelle Elle. Bonjour, mademoiselle, en regardant Atalys. Ne vous inquiétez pas, je vous veux aucun mal. Je suis désolé de vous avoir été... Vous avez quelque chose à nous demander peut-être. Nanou, Kirel. Elle s'appelle Nanou? Oui. Ah, non, Nanou, c'est l'aubergiste. Elle a demandé elle. Oui, je demandais pour elle en fait. Parce que l'aubergiste l'a appelée par son prénom. Et j'ai oublié de noter à ce moment-là. Mais ok. Donc, j'avais même pas noté le nom de l'aubergiste non plus. Ok, ça roule. Merci beaucoup, désolé. Hein. Et du coup, non, mais vous inquiétez pas, je vous suis bien parce que je vous connais pas ici et vous avez l'air d'être une troupe d'aventuriers. Pour tout vous dire, je me demandais si vous recherchiez pas quelqu'un pour vous accompagner. Est-ce qu'elle a l'air sincère? Perspicacité. Oui, elle a l'air sincère. Très sincère. Atalys, elle va lui dire, mais vous suivez tous les aventuriers qui rentrent en ville? Non, mais... en fait, mes parents doivent me marier dans pas longtemps et je veux pas de cette vie bien rangée. Moi, je veux découvrir le monde, je veux voyager, je veux me battre. Il paraît qu'il y a plein de problèmes partout et moi, je n'en sais rien, je suis bloqué ici. Vous êtes déjà sorti de la ville? Moi, je dis, on a assez d'immunité. Dans les domaines, sur les terres, oui, de la propriété familiale, mais non, j'ai pas... Il faut des idéalistes dans ce monde. Idéaliste et inexpérimenté qui connaît rien à la vie. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas d'accord. Quel âge as-tu, Elle? J'ai 24 ans. Mais il s'agit de partir contre la vie de tes parents? Tu veux partir en cachette, oui, ou leur imposer ta décision? Partir et vite, avant qu'ils s'en aperçoivent. Parce que s'ils savaient que je vous ai suivi, tout de suite, ça leur mettrait la puce à l'oreille. Non, est-ce moi que je... Est-ce que tu as déjà tenu une arme? Oui, bien sûr, j'ai tenu des épées, ça c'est arrivé. Est-ce que tu as déjà tué... un animal? Non. Elle n'est jamais sortie de chez elle, sur les terres familiales. À part égorger un lapin, je vois pas qui l'aurait pu tuer. Voilà. C'est bien là où je voulais en venir. À quoi elle va servir? Mais il n'y a pas de la place que pour les meurtriers dans un groupe qui sert l'Empire, voyons, Ankhte. Oui, exactement. Quels sont tes talents, Elle? Pour toi, je suis d'accord. Tu sers autrement. Tu guéris, tu es en support. Chacun a une place dans ce monde, Ankhte. Laisse-lui au moins là une chance de nous dire dans quoi elle peut nous être utile dans nos aventures. Mais moi, ce qui m'ennuie un peu plus, c'est cette histoire de fuite. Je sais pas ce que tu en penses, Ilana. Je pense qu'une jeune fille de ton âge, si elle n'a pas eu l'entraînement nécessaire, et si elle n'a pas pris le temps de la réflexion, ne peut pas s'engager sur les groupes de l'aventure.
Ils veulent vraiment me forcer à me marier. Hein. Et qui sont vos parents ? Enfin, je veux dire, dans le cas où nous acceptons que vous nous accompagniez, qui nous poursuivront ? Peut-être qu'on peut essayer de les amener à la raison. Ils sont bêtes. Ils sont plus que têtus là-dessus. Il y a déjà plein de gens qui... Non, en fait, il n'y a eu personne. Mais... Non, il n'y a que moi qui ai essayé de les convaincre. Tout le monde est convaincu qu'une femme comme moi doit être mariée, doit être casée, ne pas bouger, garder son domaine. Disons que vous êtes en âge de prendre vos propres, vos propres décisions. Mais encore une fois, quelles sont vos compétences ? Comment allez-vous pouvoir servir l'Empire et servir l'aventure ? Je suis sûr d'être capable d'avoir, de tenir une épée, mais c'est surtout... mes relations, j'ai quand même des relations avec des gens de l'extérieur qui sont venus de... Et j'en connais quand même pas mal dans le coin. En gros, vos parents sont des gens assez haut placés. Oui. Histoire de ne pas tourner autour du pot sans s'étendre. Ça. Vous êtes fille de qui ? Ils sont riches. Ils sont très riches, je peux pas... Je ne peux pas vous donner leur nom, j'ai pas envie que... Non, pas le nom. Donc, leur fonction. Je sors une dague, je lui plante entre les deux mains, et je lui dis, arrête de tourner autour du pot, il y en a marre, crache le morceau. Ah, je fais, Ankhte, voyons, on ne traite pas les gens comme ça, surtout quand ils n'ont pas commencé. Justement, elle a même pas commencé. Elle a rien dit du tout. Ilana, elle va prendre la dague et l'enlever et elle va regarder elle va dire